boxeur mettait en doute partialité juge Gary Aurélien. Mais entre-temps, Bob C. Guerrier, situation est très critique dans le grand sud pays en qui ça a 12 jours, t'es frappé par un méchant tremblement de terre. Donc situation est très critique. Il y a centaines de policiers dans tout le département qui est trouvé dans la rue, puisque caillou soit fissuré, endommagé et même crasé. N'a vine avec précision de direction départementale sud de police là. Mais gain on drame n'a pas signalé par rapport à un drame nous t'ai parlé de l'hier. C'est confrère ça qui t'est perdu maman avec papa, le tremblement de terre à 14 d'août là au cas, alors que t'as couru pour violence dans Matissan. Au même matin nous apprenons gagner enterrement et madame ça qui a chanté dans Chardonnière Farah pourri sa toute petite li yon bébé 2 ans 2 mois qui était mouri tout en bas des comptes dans tremblement 14 la route là dans ville Okai. Deux moun sa yo yo c'est madame ak petite policier agent 1 Aslin Léger qui lui-même cantonné dans sous commissariat Bergeois dans rentrée ville Okai. Policier ça l'ital fait espoir d'après information l'autre tremblement de théâtre arrivé passé. Et c'est dans moment madame li t'a couru pour sauver ak bébé a Mukai là t'a tombé sous lit c'est en pile douleur. Policier ça t'a accepté témoigner sous circonstances drame ça. Nous parlé avec lui dans téléphone hier soir. Il y a une possibilité pour nous rejoindre matin puisque il est sur route pour aller participer dans enterrement madame ni ak bébé qui a fait en même temps dans Chardonnière matin, contrairement à gens ça habitué fait non. En direction départementale sud l'antépoté tout sur à policier ça pour enterrement capable d'organiser matin dans la commune Chardonnière. Nous apprenons tout que 14 policiers qui touchaient physiquement avec blessure dans bras, épaules, parmi eux il y a 2 qui blessés gravement. Yon nan yo a pran soin kou elle est là dans l'hôpital dans capitale la côté infrastructure guerrier Bob C yon pati dans commissariat Cavaillon qui tombé commissariat Akin Saint-Jean sorti avec un pile fissure tandis que commissariat Camperéen sorti intact. En tout gagné 8 commissariat qui recevoit gros frappe après tremblement 14 d'Aoutlan dans un sud des pays. Commissariat à Sayo qui t'a dû servir refuge pour policiers qui trouvaient yon centaine comme ça dans la rue, même genre à Cresse population d'après chiffre direction départementale sud de police là communiqué. Gagnons total 123 policiers guerriers pour tout département sud là qui gagne Kayo soit endommagé, crasé ou bien fissuré. Voilà. Mais avant ça, hein, gagner l'autre information, information partielle hein, pour toute région sud-là, pour tout grand sud-là. La police est communiquée avec nous, information qui est capable toujours évoluer. Commissariat qui est endommagé dans le département sud-là, c'est en total 8 policiers qui sont victimes, 76 4 fracturés, policiers qui sont proches, ont décédé, gagné 9, ils ont communiqué tout, gagné 19 cailles qui sont endommagés, policiers qui ont cailles endommagés, gagné une cinquantaine cailles policiers qui détruisent un grand dans ce bilan partiel, gagné 10 commissariats qui endommagés, gagné 36 policiers qui victimes, personnel administratif, 11 maisons qui endommagées, c'est 36 pour département Grand'Anse et puis pour NIP gagné sous-commissariat, yon sous-commissariat qui endommagé, yon l'autre détruit et puis pour Sud-Est gagné yon commissariat qui endommagé. Donc voilà pour chiffre qui concernait la police nationale qui est même victime, même gens à Cresse population, gagné 123 policiers qui gagné caillot, soit crasé ou bien détruit et même endommagé. Donc situation qui n'est pas différent pour la police qui normalement doué en condition pour assurer sécurité population alors que en pile en policier yo, soit commissariat yo, endommagé détruit écrasé pendant que l'autre qui gagne caillou qui crase tout. Oui, donc n'a venu avec l'autre information sur situation qui gagne dans grand sud là avec situation victime yo moun qui affecté yo n'a pas gagné pour nous aller dans différents villes sa yo n'a parlé de Nip au sud depuis Gredan s'est parlé avec des autorités
locales pour qu'on ait qui ça qu'a fait pour améliorer conditions victimes. Et nous connaissons tous situation sanitaire là li révélé très critique dans département sud pays en côté gagnant en pile l'hôpital avec centre santé qui écrasé. Première information te gagné été fait connait l'hôpital général Oka était dépassé par situation au point dans certaines zones c'est un médecin feuille qui tape bay moun yo premier soin. Nous gagne rendez-vous dans journal là tout matin pour nous parler avec directeur départemental santé qui c'est docteur Février n'a bien pour nous rejoindre tout à l'heure dans le journal là. Oui, mais entre temps, nous parler de l'assassinat Jovenel Moïse, désignation juge Gary Aurélien pour mener enquête. Ça, c'est une gros blague d'après secrétaire exécutif sans analyse à recherche nos affaires. Bamoun Kahad qui évoquait manque d'expérience à magistrat. Maître Gédéon Jean expliqué aucun juge instruction, papa cap. Parce que tu as fait ça à cause, c'est un dossier complexe. Tout juge qui choisi a contraint pour déporter ou bien demander asile pour persécution politique. D'après dirigeant organisation à droit mounan qui continue à plaider en faveur d'une enquête internationale, la création d'un tribunal spécial dans le cadre de dossier ça. Bon côté, Pali, coordonnateur organisation citoyenne pour un nouvel Haïtien au CNH, dit les prenotes concernant désignation magistrat Aurélien dans le cadre de dossier président républicain. Camille Auxilius dit qu'il est inquiété par rapport au comportement ministre de la Justice là, 24 heures après un nouveau choix doit un tribunal première instance Port-au-Prince là. Maître Auxilius déjà mettait en doute impartialité juge Aurélien en suivant dossier avec Johnny Ferdinand. Environ 22 jours depuis le CPJ fin transféré rapport enquête sous la mort ancien président Jovenel Moïse là by autorité la justice. Tout le monde toujours prétend mais dans ma chouette sous tiches bayo qui l'est à comment instruction dossier ça a démarré même. N'a pas songé depuis le rapport arrivé sous bureau doyen tribunal premier instance Port-au-Prince là, c'est pas deux trois paroles en pile qui t'a parlé. Gain information que t'es fait quoi, gain plusieurs juges instruction, yo t'ai contacté qui t'ai pè dossier a qui pintade goyo, gain qui l'a mais autant coupon spilate qu'on s'a tout gain l'autre qui semblait être intéressé qui était temps à chauffer malheureusement doyen pas de choisir gain l'autre causé qui était rete pour son collège trois juges qui pour ta travail sur un dossier comme ça. Finalement, maître Bernard Saint-Ville t'a fait choisir juge Mathieu Chanlat. Un petit temps après, magistrat Chanlat t'a pral retirer col sans bris sans compte, li déporter li. D'après ça qui t'est parlé, juge là pas de joindre moyen li t'est exigé. Plus passé deux semaines après, doyen fait un autre choix. Fois ça, c'est magistrat Gary Aurélien qui gagne responsabilité ça. Yon décision qui levait plime sous dos en pile organisation la moun ak l'autre secteur dans pays a comme quoi juge Aurélien t'a nommé dans zone décembre 2020 pour arriver janvier 2021 comme juge siège dans tribunal première instance quoi des bouquets alors qu'elle prêtait serment dans mois avril 2021 Gary Aurélien pral fait premier examen dans dossier Jovenel Moïse là pour secrétaire exécutif centre analyse ak recherche dans affaire droit moun l'encard met Gédéon Jean parole ça c'est une blague qui paraît tak blague un juge inexpérimenté qui pourrait même traiter un dossier même siège il va rien. Donc, qu'on y a qui peut traiter dossier assassinat au président avec des implications géopolitiques. Donc, ça, c'est une blague. Il fait substitut du commissaire du gouvernement. Donc, son juge qui inexpérimenté et vraiment, par rapport à ce dossier, nous pensons que vraiment, on parle de la même logique d'épaule. C'est une quoi déclaration, maître Gédéon Jean, c'est un temps qu'a perdu dans un affaire choisi juge instruction ça. Juge pralé, juge abvini, c'est apnad marinade. Selon numéro un quart là, soit juge continue de porter, soit au profite mandé à asile pour tête yo ak fami yo sous base persécution politique. Militant droit moun lan souligné, dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, c'est pas un dossier simple dit tout. Non seulement li impliqué yon ensemble étranger, mais tout gen entreprise dans dossier a sans compter réunion qui fait qui gen pouwe ak pays l'autre bord de l'eau. Parce que des militaires colombiens qui rentrent en Haïti qui assassinent le président et compagnie qui planifié assassinat qui recrutent militaires yo colombiens yo aux États-Unis, des réunions faites en République dominicaine. Donc, lorsque un président assassiné dans condition ça, c'est pour un dossier simple pour un juge mettre là qui va acheter un
yo qui parle les quelques témoins capteurs des noms. C'est un dossier complexe et puis qui a une dimension géopolitique. Dossier assassinat Jovenel Moïse là, c'est chaque jour levé ou tendez un épisode. Là, vous pensez ou te comprendre ou pour que jamais comprendre en yen nan en yen. Il y a information qui t'a fait quoi? Yo te joigne une quantité l'argent qui gagne nan figil la ancien patron Agritrans là. Il y a l'autre information même qui allait plus loin pour faire qu'on est. Yo pas ta droit négligé ou bien écarté dans quatre dossiers ça, thèse drogue là. Là, vous considérez te gen moun entourage messieurs qui gagne soupçon drogue sous doyo par rapport à complexité dossier là. J'ai les gens estimé faut que c'est moun qui gagne gros expertise qui pour travail sous lui. Dans sens ça, car d'a persister quoi? Faut que ta gagne une enquête internationale qui a obligé abouti ouais par ouais à création yon tribunal spécial. C'est pas eux t'en aille, tu penses que c'est code civil, code pénal, ou antique dans la constitution qui va le faire. Non, faut entrer dossier à la dimension que le gagne. Faut faire appel à la philosophie du droit. Faut faire appel à la philosophie politique. Faut faire appel aux théories, aux grandes théories relatives à l'État. Maintenant, si nous voulons faire zin dans la République, le SAN a continué à faire zin, juge Chan l'a été déporté, ou pas l'autre juge encore qui va le déporter, soit pour persécution politique, ou bien on va le dire, ah, juge ça l'a travaillé pour opposition, hein, ou bien juge ça, il l'a travaillé pour PHK. C'est ça, vous pouvez le dire. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH, beaucoup te parle lui-même, dit lui prend acte concernant désignation juge Gary Aurélien. Toutefois, au CNH, pas caché inquiétude lui, par rapport à la déclaration ministre justice là, Rockefeller Vincent, fait sous Twitter, moi c'est passé 24 heures après choix juge là, côté l'annoncer, lui prend toute disposition pour permettre magistrat jouer un moyen pour faire travail lui. D'après coordonnateur au CNH là, M. Camille Oxius, parole Rockefeller là, paraît suspect, là on considéré différentes requêtes sans réponse, juge qui tape travail sous dossier M. Montferrier d'Orval là, t'es fait, yo t'es même vin prendre machine, yo t'es balia, examen pour sécurité dans dernier l'air. Nous rien, tout c'est pas yon disposition lui prend de manière intéressée pour permettre à ce que yo instrumentalise juge là et dans action la poser ou capable. C'est moun qui te gen règlement de compte politique, c'est moun et qui par même les vrais concernés, c'est même juge la rele. Juge instruction qui pral mener dossier ça, doué ka fè équilibre, doué gen colonne vertébrale, doué a prôner état de droit. C'est en tout cas déclaration M. Camille Oxius qui kwè, faut que juge là pendant tété langue avec personne, quel que soit nom, couleur peau, niveau l'agent ou rang social ou ak chap politique. Pour défenseur de moun là, faut gen yon exemple qui tracé dans dossier assassinat Jovenel Moïse là. Nous souhaitons juge li pa kite yo instrumentalize l, nous souhaite li pa agi nan intérêt yo clan politique, nous souhaite li fè travail li comme il faut en dépit de manque d'expérience tout moun déjà konnen ganyen sou base li va gen fè en pile dans le système là. Est-ce que Jovenel Moïse a joine justice? C'est question en pile moun ta ka pose tête yo, mais gen l'autre moun ki ta ka répondre ki bo catégorie moun sa yo ta ka di ou ancien patron Agritrans lan pa travail pour ça. Là yo considéré pendant rail PHTK sitou administration Jomoua, impunité c'était seule règle là. Toute institution yo crasi plate à terre, la justice même c'est rel. Justice la disparaît tant cousé clair. C'est là seulement crité. Citoyen même qui relé Rockefeller Vincent annoncé sur Twitter mercredi après-midi, li pral parler oui sous tout effort ministère justice faire pour bail président famille ak paya justice n'a cité après malfecteur qui pas qu'attend mandat président fini assassinel. Yon fois encore monsieur Rockefeller Vincent montrer li c'est un élément important dans enquête là. Monsieur Agetan connaît c'est moun qui pas qu'attend mandat ancien président fini qui assassine elle. En tout cas, soit enquête là tout fini là, soit Rockefeller Vincent vient dit DCPJ, la justice ak paya de qui est la palé même. Johnny Ferdinand, Caraïbe FM. Merci Johnny Ferdinand. Collectif Défenseur Plus dit il prend note désignation magistrat Gary Aurélien comme juge qui pral mener enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Organisation Cap défendre droit moun mandé magistrat Gary Aurélien pour prendre en considération toute facette qui est capable de mener pour lumière faite autour des assassinats ça et pour ne pas prendre en pièce intimidation à craponaille pendant la mener enquête là. Il m'a dit autorité au bail juge là bonjour moyen pour le capable faire travailler comme ça doit. Antonal Mortimer dans mes cours original Rémi. Défenseur Plus prend acte de désignation d'un nouveau magistrat, instructeur, qui pour instruire dossier qui concerne l'assassinat président militaire de M. Jovenel Moïse. Il s'agit du magistrat Gary Aurélien, qui est doyen Benassinville désigné dans la fin de semaine passée.
Et faut nous dire nous-mêmes au niveau défenseur plus, depuis le 7 février, au final assassiné président la Kaili, qui n'a pas suivi le dossier ça. Et nous encourager magistrat instructeur et nous saluer courage de qui a accepté instruire un dossier aussi important qui est d'actualité depuis environ 2 mois. Nous avons des autorités dans la police, là, autorités dans la justice, là. On a parlé des ministères de la justice, on a parlé des doyens, administration CSPJ, police judiciaire, inspection générale de la police, direction générale pour accompagner magistrat et pour balayer tout moyen qu'il est capable bien besoin pour le capable instruire dossier dans l'idée pour les chercher présumé coupable pour chercher monde qui complice et pour yo traduire devant la justice vraiment pour les capable rendre ordonnance dans délai la loi prévoit pour ça. Nous demandons tout juge là pour le prendre courage pour commencer à poser acte d'instruction pour conduire enquête là au bon port pour ne pas céder au chantage. On s'est vu des mounes qui semblaient d'explications pour fournir par la justice et sous relation avec auteur matériel intellectuel, crime odieux fait sous le président de la République. Là. Et mounes, nous pensons qu'il a fait des pressions, même si j'ai fait pression sur Jean-Jean Latte. Donc, c'est le magistrat Aurélien du procureur de la Libra pour ne pas quitter la pression mounes influencée. Et du même coup, nous demandons à acteurs pour quitter la justice, travailler en toute indépendance. Et nous dénoncer certains acteurs politiques et quelques groupes de monde dans la société civile qui ont fait diversion autour des dossiers, qui ont bouillé toute piste d'enquête judiciaire, même si on a tenté de bouiller toute piste d'enquête policière à travers une série de déclarations passées par là. Et il y a polié le dossier jusqu'à ce que pour empêcher la population à connaître la vérité sur le crime odieux, le crime carapule qui fait sous M. Jovenel Moïse. Qui lui-même était président de la République. Et nous devons plus encourager nous vraiment pour continuer le travail, mais travailler en façon pour ne pas détourner l'attention sur le vrai problème pays et pour ne pas détourner l'attention sur l'enquête pour le jeune vrai coupable. Défense plus considérer et attaque qui fait contre Jovenel Moïse là, comme président de la République. On attaque contre souveraineté pays, contre démocratie et contre état des droits. Et assassinat ça, il n'y a pas été fait maintenant à la justice, ni organisation droit monde, organisation sociale, organisation politique, pas doué utiliser assassinat ça comme un instrument politique. Même si la justice pas doué utiliser le tout comme un instrument politique. Dans ce sens, nous interpellons les populations à travers organisation sociale, organisation communautaire, organisation politique qui conséquent dans le pays pour être mobilisé, pour être capable d'exiger la vérité. Autour des assassinats président Jovenel Moïse et pour accompagner l'autorité judiciaire dans le cadre d'enquête ça jusqu'à ce que nous vivons pour ces pibles, tout le monde qui est criminel et toute complicité. Nous attendons des actes concrets de la part du ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent. Nous attendons des actes concrets de la direction générale de la police judiciaire. Nous attendons des actes concrets du paquet des Port-au-Prince jusqu'à ce que pour nous qu'on ait vérité sur ce qui passé. Donc il y a trop de crimes qui fait dans le pays qui est impuni. Donc nous ne pas douer la chaque crime dans le tiroir. Donc si M. Jovenel pas jeune justice, c'est capable vraiment les procès de la justice haïtienne. Mais nous-mêmes nous encourager non seulement pour M. Jovenel jeune justice et en sa qualité de président de la République, mais pour tout l'autre monde qui est victime, soit administration Jovenel là, avant administration Jovenel là, ça veut dire soit administration privée, soit administration Matéli, soit administration avant eux, pour y avoir justice tout. Antonal Mortimer, et désormais c'est juge Gary Aurélien qui est désigné pour mener enquête sur assassinat et président Jovenel Moïse. Nous déjà, attendez, en pile voix qui levait pour dénoncer choix ça. A gagné organisation qui même mettait en doute passivité juge la bon côté par coalition des députés haïtiens qui dans opposition Kadoa qualifié lui-même inutile débat qu'a fait sous nouveau juge instruction qui choisit pour traiter dossier assassinat président Jovenel Moïse là Abel Descollines cependant quoi c'est un juge qui gagne compétence avec expérience qui t'a supposé prend en charge dossier ça parallèlement ancien député a recommandé pour premier ministre à Ariel Henry ba explication sur relation avec Joseph Félix Badio côté yon rapport RNDDA cité non comme moun qui est parlé avec Badio après assassinat et président Jovenel Moïse ancien député Abel Descollines t'es dans micro Wenchel Adrien.
Concernant choix un nouveau juge d'instruction pour enquêter, pour travailler sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, je crois que c'est un processus qui est normal, son mode opératoire au niveau de la justice pour que le doyen lui-même lui fait choix de un juge. Bien entendu, son dossier qui est sensible, c'est un dossier qui gagne en jeu. Donc, constater, il y a de cela une semaine, gagné un juge qui lui-même était fin accepté, mais l'est finalement décliné. Maintenant, nouveau juge, ça gagné des remous, qui estimait que c'est un juge de l'équipe, qui estimait que c'est un juge qui n'a pas gagné assez d'expérience. Bref, donc ouais, l'est important pour gagner de considération qui fait, dans la mesure où dossier ça a tellement gagné diversion qui fait déjà la dernière, tellement gagné confusion, tellement gagné en tout cas de stratégie politique, politicienne, de monde même qui appartenu à régime, Jovenel Moïse a fait autour de dossier ça. Donc, il est vrai que débat qu'a fait yo sous choix juge-là, donc ouais, c'est pas le débat qui est inutile. Faut que c'est un juge qui est au-dessus de la mêlée, faut que c'est un juge qui doué d'expérience, mais faut que c'est un juge tout, bien entendu, qui gagne capacité pour traiter un tel dossier. S'agissant maintenant de non-premier ministre qui cité à travers un rapport RNDDH, nous-mêmes, le niveau Kadoa nous dit nous qui est nous préoccupés. Cependant, pendant nous qui est nous préoccupés, nous, pape évertué nous tous, n'a un jugement arrêté pour nous dire oui ou non premier ministre coupable ou bien gagné en responsabilité. Cependant, à niveau Kadoa, nous pas satisfaits de la réaction premier ministre Ariel Henry par rapport à ça qui dit dans le rapport RNDDH. Elle nous dit nous pas satisfaits. Premier ministre réagit pour le dire ni en train de rassembler les papales polémiques avec l'organisation de Ramoun. Nous croyons réaction ça, elle n'est pas suffisant. Nous croyons réaction ça, elle n'est pas à même pour le dissiper ni pour le rassurer population. Faut gagner aux clarifications. Faut que gagner des explications puisque monsieur Ariel Henry n'est pas seulement le citoyen Ariel Henry, c'est le premier ministre, c'est un responsable de l'État. Même gens nous demandaient des explications, même gens nous demandaient, faut que gagner de clarifications qui potaient autour de l'ancien PM Claude Joseph, puisque c'est les mêmes qui pratiquement étaient en charge lorsqu'il a assassiné le président. Même gens nous demandaient des explications, de clarifications de directeur général de la police, là, puisque c'est les mêmes qui gagnent commandement sécurité paysan et président Mourin, ben, c'est le même genre, n'attendent des explications, des clarifications autour de nos PM Ariel Henry à travers rapport ça, qui laissait croire que le gagne des échanges téléphoniques fréquemment avec une non présumé suspect, en tout cas non présumé assassin président. Voilà pour réaction Kadoa, nous croyons monsieur Ariel a l'obligation pour le bail explication puisque dans tout pays qui est sérieux lorsque nous on responsable de l'État cité dans un dossier qui est aussi sensible, dans un dossier qui est aussi crucial, ben il est pas capable à nous dire les papes rentrer dans polémique, faut qu'il explique. Est-ce que le connaît monsieur Badjo, qui niveau de relation il était ensemble avec lui, quelle a été en tout cas la nature ou le motif de conversation il était gagné. Bref, c'est toute explication ça yo, captain dans niveau Kadoa avant pour nous prendre de l'autre position. Voilà, Jean-Noël Tapet a lancé précision ancien député Décolé Nabel dans Kadoa qui t'a parlé comme ça. Donc nécessité pour un avion dans pays d'Haïti et un hélicoptère, c'est pour tout haïtien. Et c'est belle bagaille. Et voilà que pasteur ça, pasteur Sony Adolphe dans ville Tigouave qui a mené bac radio Echelle FM, il est en écrit ingénieur Charles Benoît pendant en Haïti. Il écrit pour le bail participation parce que ou qu'arrive un moment pas de traverser Matissan du tout. Ou catastrophe, Jean Bagaille pour aller là, le monde pour aller de catastrophe en catastrophe. Donc pour voler au secours Tigouave,
depuis qu'il y a un hélicoptère, il y a une possibilité pour ça. Ou qu'à sauver quelques familles, c'est qu'à ti demoiselle ça là, ti demoiselle, ti petite ça, dame ça, lui-même fait plaidoyer et vient dans la radio à madame Lika. Si tu as un hélicoptère, ou pensez que nous pouvons être volé au secours, et tu fais ça, sous les caïmites, dans zone pointe sable. Et avec nous, madame Luca, qui va le faire parler de situation. Hein? Et puis, nous féliciter Joseph Gédéus, dans West Palm Beach, et qui lui-même, maintenant, moment n'a parlé là, c'est nous ça, Charles Benoît, fait en contact avec elle. Bravo, Joseph Gédéus. Un hélicoptère pour Radio Télévision Caraïbes, son hélicoptère pour tout le pays, hein? Au service de la communauté haïtienne. Et même ou même tout notre diaspora a besoin d'une famille, ou besoin d'une famille, ou t'es contribué dans l'hélicoptère là. Et bien pas aucun problème. Nous ne parlons pas qu'il prend un risque. Et dans Matissan, avec nous en ligne, madame, c'est Lucas, et qui peut dire nous, qui évolution qui gagne dans le dossier TBBA, qui contact qui fait pour ces demoiselles là pour nous être capables de sur la ville. Madame Lucas, bonjour. Bonjour Bob C, bonjour PRR, bonjour Guerrier, et m'ap salue toute équipe Radio Télé Caraïbe qui a fait un gros travail. Donc, matin, encore, c'est avec un île, d'abab dit donc, désolation, côté que, hier, après nous sortir dans l'émission, nous avons un peu de monde qui contacte nous, certes, mais bon côté, nous fait de suivi à travers partenaires qui habitués travaillent avec nous dans le bas d'Elma. Donc, partenaire, yo répond, yo te prêt pour y aller chercher Tifiette là, sous Zilea. Mais seul ça qui te manqué, c'est que c'est autorisation MSPP, pas bail pour y aller chercher. Parce que d'habitude, même quand organisation internationale, ou prêt pour y aller au travail de concert avec l'État haïtien. Ou dit au MSPP, pas bail autorisation pour y aller prendre tout le monde, malgré une volonté pour t'apprendre pour nous dans l'hélicoptère? Oui, il y a une volonté, mais c'est MSPP. Si vous voulez, depuis là, nous avons lancé SOS pour nous demander.